La géomatique, une science qui consiste à collecter, diffuser et traiter les données géographiques. Les spécialistes de cette science sont venus des 5 continents pour mieux s'outiller sur cette thématique. Au menu de ces premières journées béninoises des sciences et technologies géomatiques, des communications qui portent sur l'offre de formation et de la recherche dans le domaine de la géo-information et sur les données géomatiques qui existent sur le Bénin. La géomatique rassemble donc un certain nombre de sciences que nous connaissons tous. Et toutes ces sciences qui ont des applications dans tous les domaines. Donc dans beaucoup de domaines liés à l'aménagement du territoire. En organisant ces journées d'échange, le Consortium des sciences et technologies géomatiques compte également sensibiliser la jeune génération sur les métiers de géomètre et topographie. Nous avons constaté un déficit de sensibilisation au métier de géomètre topographe. Au niveau des jeunes, ils n'ont pas l'information. Or, nous savons que c'est le géomètre topographe qui fonde vraiment le socle de l'aménagement du territoire. Pour le représentant du ministre en charge du cadre de vie, la géomatique est un secteur vital pour l'émergence d'une économie prospère. Il se réjouit de la tenue de ces journées et encourage à la pérennisation de l'initiative. En ces moments où nous parlons du PAG qui imprime un développement accru à notre nation, vous savez, le géomaticien, le géomètre topographe est très, très, très utile. Le Consortium des sciences et technologies géomatiques au Bénin est né en décembre 2015. Il compte bien révolutionner le développement durable du Bénin à travers la géo-information.